Trois petits triangles équilatéraux isométriques sont découpés dans les coins d'un triangle équilatéral de 12 cm de côté, comme sur la figure imprécise ci-dessous. La somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone ombré. Question: quelle est la longueur du côté des petits triangles? La longueur du côté du grand triangle vaut 12 cm. Appelons la longueur du côté des petits triangles x et appelons la longueur d'un grand côté de l'hexagone ombré y. Par l'énoncé, nous savons que le périmètre d'un petit triangle, c'est-à-dire 3x fois 3, ainsi on a les périmètres des trois petits triangles, est égal au périmètre de cet hexagone ombré. Et ce périmètre, c'est 1 fois y, 2 fois y, 3 fois y, plus 1 fois x, 2 fois x, 3 fois x. Donc le périmètre de cet hexagone, c'est 3y plus 3x. Ce 3x, on le met à gauche du signe d'égalité. Donc à gauche, nous avons 9x moins 3x, c'est-à-dire 6x. À droite, il reste 3y. Nous divisons cette équation par 3 et nous obtenons donc que 2x est égal à y. Nous savons aussi que x plus y plus x est égal à 12. Donc 2x plus y est égal à 12. Dans cette équation-là, nous pouvons remplacer le y par 2x. Ainsi, nous obtenons 4x est égal à 12 et par conséquent, x est égal à 3. Donc la réponse finale à la question posée, c'est 3 cm, c'est-à-dire le D. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.